Donc, let's go. Voilà. Donc, let's go. Alors, on s'était arrêté là. On avait regardé notre nain préféré, le sale nain Kratos. Ok, on a notre troisième partie d'armure qu'il faut augmenter. Et après, on choisira une nouvelle amulette, je pense. Oula, 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 qu'est-ce que je fais? C'est parti! Est-ce que ça va? Bien sûr. Bien sûr! Quoi ce bruit? Ah. Pas d'humeur. T'es un peu rouillé. Depuis quand tu payes tes larbins? Pourquoi je ne vais pas me prononcer sur ça. On va bouger ça. Ah! Oh wow, ok. Putain! C'est quoi, genre la hitbox c'est 1 cm de sa peau de son écaille et... Comment j'ai pas pu le toucher avec tout ce que j'ai fait? C'était bizarre. C'était bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Bah oui. En tout cas, go. Ça bouge! Et on est bloqué. Le chariot est toujours attaché à la. Je vois bien. Je vois bien. Voilà. Ferme ta bouche. Je sais pas qui fait le doublage de Kratos en français, mais il est. Mais en tout cas, il est bien. Attends, parce que je me rappelle plus ce que je dois faire en fait. Ah oui, je dois lui faire monter. On doit monter là. Et après, il y a la porte à pousser aussi. Oh, 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 stop, crap. Non, c'est bon. Tada. Je sais pas qui fait la voix en français, mais il l'a fait bien en tout cas. Même le gosse est cool, même le gosse. On peut passer par là. Il faut récupérer la cafle. Let's go. Yot! À la main, à la main, à la main. Attends,
tout à la main. Une bonne chose de fait. Régène, régène. Salut Saphir. Ça va? On fait une pause dans Monster Hunter? Ah. Zium. Bon, j'adore ce coup de bouclier avec le son. Merde. Regarde toutes ces vieilles choses. Si ce n'est pas utile, alors n'y touche pas. D'accord. Ah, Kratos est encore énervé du fait que... que notre petit bonhomme a complètement merdé la machine. Kratos est rancunier. On peut démonter les armes et armures qu'on n'utilise pas. Tu peux les vendre si tu veux. Mais ça sert pas à grand chose. C'est mieux de les garder. Là, très fatigué, ça va pour mon centre, je suis passé RC 50, pas mal. Ok, on a fait le tour, on a récupéré le coffre. C'est parti. On avance. Regarde, une autre lanterne. Cassée, laisse-la. À quoi peuvent-elles servir? Elles ont quelque chose de spécial. Je le sens. Yes, merci. C'est embêtant qu'à chaque fois ils descendent cette chaîne. Ça me rend fou, moi. Pourquoi l'avoir fait en sorte qu'ils descendent la chaîne automatiquement? C'était con. Fallait pas faire ça. C'est énervant. Ouais. Oui, ça marche. Ok, on est bon, let's go. C'est l'heure de pousser. Est-ce que c'est bon là? Je crois que c'est là-haut. Coffre. Relique sculptée. Et si jamais on tombe. Oh, ça a l'air lourd. Ça a l'air lourd, mais pas pour Kratos. Ah putain. Ça réussit. On peut utiliser la poulie. Elle nous aidera peut-être à arriver en haut. Tada. C'est le nain qu'on entend travailler? Je crois. Des ennemis devant! Ah ah. Oh.
Oh merde. Faut de l'enfer. Ah oui, j'avais oublié ça. Voilà. En feu. Suivant. Là, le PM. Boom. J'adore cette habilité de l'armure. Oh. Ah, non, c'est, on s'est fait taper quand même. On retourne à la poulie. Voilà. C'était fun. C'est fun. Putain. 5000 YouTube, 7000 Twitch, oh la vache. Là, ça serait le bonheur. Ça serait le bonheur. Y'a plus. Y'a pas autre chose à faire. Non, c'est bon, on est bon. Let's go. Ah, mais il faut mettre le machin en dessous, on non a récupéré la base. Faut mettre ça en dessous. C'est parti. Voilà. Atreus, avec moi. C'est bon, j'arrive. Ça marche, c'est parfait. Ça devrait tenir. Ok, maintenant on la fixe. Je me rappelle plus exactement ce qu'il faut faire. Il faut quoi? Faut la fixer. Ah non, on rappelle la hache et c'est bon. Ouais, ça. Tu penses que ça va nous emmener jusqu'au sommet? On le saura bientôt. C'est bizarre. J'ai une drôle d'impression. On se dirige vers un danger. Ne t'occupe pas des possibles. Concentre-toi sur l'instant. Et sois vigilant. J'aime bien ce passage avec, oui, avec le dragon. Le dragon qui nous pourchasse, c'est pas mal. Pas le sommet, mais on se rapproche. Attends, celle-ci est intacte. Il y a un message. Une prière de géants. Ils demandent à leurs ancêtres de veiller sur eux. De leur montrer le chemin du retour. Atreus. Attends! Je crois savoir comment ça marche. Regarde. Waouh. Non. Qu'as-tu écrit? Je leur ai demandé de veiller sur maman.
crois qu'ils veilleront sur nous quand on grimpera au sommet. Viens, mon garçon. La route est encore longue. Oh. Oh, il est pleuré. Trop gentil. Et Kratos, un super papa. Recule. Ah. Deux secondes, je suis en train de regarder s'il n'y a pas les coffres et tout. Ah ah. Bam. Ok, let's go. Atreus à droite. Le tunnel Atreus. Compris. Sois prudent. Déteste. Les nains ont dû creuser ces tunnels pour contourner les pièges des géants. C'est une chance. Enfin, une chance pour moi en tout cas. Je viens de me brûler, c'est pas grave. Ah oui. Oh, pourquoi? Ça ne sert à rien. Piège à la... à la Tomb Raider. Elle est magnifique cette hache. Mais elle prend tellement le dessus sur les dagues. Sur les dagues du chaos. À moins qu'on soit vraiment un fan et qu'on les fasse fonctionner dans plus ou moins tous les cas de figure. Mais la hache elle est tellement mieux quoi. C'est ça qui est un peu triste même. Là, à la limite, ce que j'aurais pu faire, c'est les agripper et les faire venir. Mais je crois que le deuxième, il était trop loin. Donc, on va essayer de faire un peu marcher là. Encore un élévateur. On arrivera peut-être en haut plus vite que prévu. Peut-être. Enfin, quoi que non. J'ai pas envie de me forcer. J'ai pas envie de me forcer. Les dagues, elles sont bof. Elles sont bof. Hein. C'est pas ma faute. Hein. Et les développeurs. Hein. C'est bien pour casser les caisses. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ah oui, je peux pousser ça. Ça a marché. Ah non. On est encore trop lourd. Eh ouais. C'est bon. Perds un peu de poids, petit. Eh, quand on sera au sommet, jusqu'où tu penses qu'on pourra voir? Le lac? Le serpent monde? La maison? Nous verrons une fois là-haut. D'ici là, ouvre l'œil. Atreus. Wow. Atreus. Ça va, j'ai simplement perdu l'équilibre. Tu sais, pour quelqu'un de si fort, tu t'inquiètes beaucoup. Ça me rend service, et ça nous permet de survivre. Sans doute. Ça me rend service. C'est pas une vie très amusante. Enfin, Kratos, il a pas vraiment eu une vie très amusante. Je suis derrière toi. Ah, on va faire ça. Le combo est trop long pour le dernier coup. C'est pas extrêmement impressionnant ces dagues quand même, non? Enfin, je sais pas. Les runes sont cool par contre. Poing. Bien joué, fiston.
Allez, on va faire un peu de rage. Et ça, c'était amusant. Oui, je devrais plus m'inquiéter. Est-ce que c'est là qu'on descend ? Non, nous sommes bloqués. Et ça, c'était amusant. Enfin, moi, oui, pour moi, ouais, c'est amusant. Je crois que l'élévateur est coincé par ce mur. Tu peux le dégager ? Évidemment. C'est quel côté qu'il faut se mettre, là ? Qu'il y aura d'autres attaques ? Sans aucun doute. Tu poses trop de questions. Si, alors tiens-toi prêt. Concentre-toi, Trix. Ah. C'était pas mal la hache plantée. C'est magnifique. C'est simplement magnifique. Je sais. C'est simplement magnifique ce combat. Enfin, ces combats, ce gameplay, j'adore moi. C'est jamais lassant. Je vais aller mon Wilhelm, il est un peu con, ton Gilgamesh. Mon Gilgamesh est top, qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je crois qu'on est en sécurité. Père, on va disperser les cendres de mer. Et après, qu'est-ce qui se passera ? Rien ne se passera. Nous rentrerons. C'est tout ? L'aventure sera finie ? Pour l'instant. Mais nous aurons beaucoup à faire. Tu avais raison sur le bateau quand nous avons coupé le dernier arbre. Tu as dit que quelque chose avait changé. C'est vrai. Et notre maison n'est plus sûre. Mais elle le redeviendra et nous continuerons ton entraînement. D'accord. On est presque au sommet. Ah, avec une limite et il est tué en compte. Ah ouais. Calme-toi, Atreus, et reste derrière moi. Viens, père. Parti. Ça fait trop araignée dans... Quand il est comme ça, là. Quand il est dans le tunnel. Moi, je crois que c'était une araignée qui... Qui crachait des éclairs. Après, j'ai vu que c'était un lézard. Mais... Oh la vache. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tiens-toi prêt ! Le plan, c'est de lui monter dessus. Ah, c'est pas mal, on va directement avoir le deuxième pouvoir, ça c'est cool. C'est vrai que ça va aller beaucoup plus vite que la première fois. Wow, c'était quoi ?
Cool. Ça, c'est bien, ça. On va avoir le pouvoir assez vite. Oui, non, c'est vrai que Wilhelm, il contre énormément. Hein. Il contre énormément. On dirait une racine de l'arbre Yggdrasil. Est-ce que c'est sa sève ? De la sève cristallisée et qui contient un pouvoir. C'est incroyable. J'arrive pas à croire qu'on ait combattu un dragon. J'ai essayé de viser ses yeux, mais je perdais toujours l'équilibre. Tu crois qu'on est chez eux ? Est-ce qu'ils sont venus après le départ des géants ? Ou est-ce que c'est eux qui les ont chassés ? Atreus, l'air se fait rare. Garde tes questions. Respire. Oh. Oui. D'accord. C'est un moyen poli de dire ferme ta gueule. Faudrait que je le fasse la prochaine fois que je suis dans un dîner et que quelqu'un me fait chier. Je lui dis, l'air se fait rare. T'as entendu ? On dirait que quelqu'un a besoin d'aide. Le nain, j'arrive. Attends, Atreus. C'est Sindri. Tu peux tuer un truc aussi gros ? Il faut le déséquilibrer. Je peux essayer de le distraire. Qu'est-ce que tu fabriques ? On peut pas l'abandonner. Tu passes à droite. Tu trouves un bon angle. Et tu attends mon signal. Merci. Ça y est. Combat épique. Ah, il est trop stylé comme ça. T'attends mon signal. Ouais, vas-y, attends bien mon signal. Allez, c'est parti. Hop là. C'est un peu dur de regarder le dragon en fait. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait ça. Ah oui. Faut que je me rappelle de sa façon de combattre. C'est à ce moment-là qu'il faut... Ouais, c'est à ce moment-là qu'il faut balancer là. Merde. Voilà.
merde. Ah, ça a été ralenti. Ah, il y a deux. Il y a deux vagues. Voilà. C'est pour régène, hein. On peut lui balancer les cailloux. Non, ça marche pas. Fait de la merde. Ok, on est bon. Merde, loupé. On va crever à faire de la merde comme ça. Ah, c'est bien, on lui fait des dégâts avec les pierres. Prendre la pierre. Ok, pas de pierre. Oh la vache, là on est dans la merde. Ah,
On n'a pas de vie du tout, c'est horrible. Trop bien de jouer sans vie. Oh là là là. On peut y arriver. On va attendre qu'il fasse son laser encore une fois, son tir. Voilà. Et maintenant, boum. La pierre. Ah putain. Je voulais récupérer la pierre, mais elle était trop loin. Je pouvais pas avancer. Il y avait une sorte de mur invisible. Ah. Allez, brûle. Ou pas. Ah. Ok, on va y aller avec un peu plus de technique. J'y vais trop comme un bourrin. Salut, faut utiliser les boules rouges de la racine. Ah, ok. Ah. Faut lui jeter quand il charge l'électricité. Ah! Moi j'aime bien taper. Je préfère taper avec ma grosse hache. Ah ah. Voilà, c'est bon. Il a suffisamment baissé la vie. Brûle. Oh, les morceaux de vie qui partent avec l'armure, mais c'est énorme. Oh.
Super Kratos. C'est trop stylé. En récupérant les pierres grâce à l'armure God of War, ça enlevait des blocs de vie, mais c'était abusé. C'était énorme. Pas depuis la grande chasse au ver. Et si je ne m'abuse, tu as fait tout ça. Ya. Tu te trompes. Tu te trompes, il était sur mon chemin. Attention en prenant cette. Oh, trop tard. Ah, quel massacre. Oh, c'est une catastrophe. Oh, oh l'odeur. Parfait, ça devrait le faire. Oh. Ouais, pas question de toucher ça. Non, on peut passer quoi. Tiens là pour moi. Yeah. Tu as imposante car tu souhaites compenser quelque chose. Non, parce que ça. Ça va avec ma chose imposante. En fait. Oh, je vois que tu as déjà tout compris, alors c'est parfait. Bon, je n'expliquais pas seulement la finesse et la complexité. Est-ce qu'on a. Oh non, non. Je suis à cuirasse d'Arès. Oui. Eh merde, on a un truc mieux. Augmente l'accumulation de la rage de Kratos et sa vitesse d'épuisement pendant la rage de. Attends. Et sa vitesse d'épuisement pendant la rage de Kratos. Tout en réduisant la taille de sa barre de rage. Les effets sont renforcés par le nombre de pièces d'armure d'Arès portées. Donc en gros. En gros, on a une plus petite barre de rage, mais elle monte 4 fois plus vite, c'est ça? En gros, c'est ça. Intéressant, cuirasse d'Arès. Défense, chance, récupération. Ouais, ça a plus de force. En gros, ouais, c'est tout force, quoi. C'est pas mal. Pas mal. Oui, Atreus. Il nous faut plus de pierres de colère de toute façon. Ouais. Parfois, le meilleur achat est celui qu'on ne fait pas. Eh ben, pas mal, hein. Le manque d'amour de ton père. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas si longtemps, on chassait encore le cerf. Depuis, on a combattu des elfes obscurs, des trolls, des ogres et un dragon. J'ai l'impression qu'on est devenu invincible. Nous gagnons parce que nous sommes déterminés, disciplinés. Pas parce que nous sommes supérieurs. Oui, je sais. Seulement, c'est bon de se sentir fort, tu sais. Oui, je sais. Ah. Qu'est-ce que je fais? On a tous les pouvoirs maintenant. Celui-là va vraiment exploser. Y a un truc à faire péter. Ouais, c'est en haut. Ce cristal, je l'ai touché, mais il brille à nouveau. Tada!
Quel tir de hache. Ouais, les nouvelles armes sont cool, sympa. Armure d'Arès. Je suis sûr qu'on va, on va avoir une armure de Zeus. Ou alors Odin, un truc comme ça. Putain. Bam bam bam. Ah ok. Je pensais qu'on allait s'amuser à le faire tomber mais... Salut les mecs, ça va? Oula, trac. Elle était où la hache? Comme ça. On va d'abord faire ça. La hache était tombée. Moyen de baisser ce pont. C'est sûrement comme au ça. Fin fond des abîmes. Encore un de ce côté. Celui-ci s'appelle Ymir. Maman a essayé de me raconter son histoire, mais je crois que j'étais. Ce sont des géants qui sortent de ses aisselles. Je crois que c'est Odin qui le poignarde. Ok, un. Il en faut deux de plus. Je m'en rappelle plus du tout, par maintenant c'est coincé de l'autre côté. Je me laisserai jamais de briser des choses comme ça. Ah merde. Saloperie. Yeah. Voilà. J'ai bien aimé attirer le cauchemar. Et le détruire, le tuer, c'était sympa. Atreus, suis-moi. Non mais ramène tes fesses. Regardez. Regarde. D'accord.
Parlons pendant qu'on écrase des têtes. Hop là. Parlons, ayons une conversation père-fils pendant qu'on écrase des têtes. Allez, on y va. Il fait un peu plus froid. On doit être près du sommet. Ce sera plus long, merde. Oh. Regarde. Sommet. Le sommet. On en est si près. Carquois. La lanière a cassé quand on a affronté le dragon. Ça fait rien, je peux le tenir. Arrête. Non, on peut passer ça. Il va mettre un bout de flèche. Doucement. Regarde où tu mets les pieds. Après, il y a Madame la Folle qui va pas aimer ça. Où t'as trouvé ces flèches, hein? Enlève-les. Elles peuvent faire mal à mon fils. Hop là. J'adore. Ah tiens, il va pas vouloir que je... Ouais, il va pas vouloir que je passe par là. Faut passer à droite. C'est tout un art de broyer des têtes correctement, sans se salir, c'est quand on sait cela, son fils. C'est ça. Naidu, merci pour le follow et bienvenue. Bienvenue. Quand je joue à la PS4, je loupe toujours les follow. Je suis pas devant l'écran du PC. Toi aussi t'entends ces voix, pas vrai? Oui, ne fais pas de bruit. Ah, on va récupérer Mimir. Yeah, j'aime bien Mimir, moi. On dirait l'homme qui était venu chez nous. Tu disais l'avoir tué. Chut. Je vois que tu n'es pas seul cette fois. Ce doit être important pour que les fils de Thor daignent m'honorer de leur présence. Dites-moi, vous vous disputez toujours les faveurs de papa? L'homme au tatouage. Les traces indiquent qu'il voyage désormais avec un enfant. Où se dirige-t-il? Comment le saurais-je? Tu es l'homme le plus intelligent qui vive, n'est-ce pas? Et plus intelligent aussi que tous ceux qui sont morts. Si tu m'aides, je t'aiderai. Dis-moi où ils sont et je parlerai à Odin. Ton père ne me laissera jamais partir, Baldur. Et il ne te laissera pas me tuer. Tu n'as rien à m'offrir. Alors remballe tes questions, tes menaces et c'est de bon à rien. Et va aux enfers. Quand personne ne regardera, on viendra prendre ton autre œil. Tu l'as dit, mon frère. Baldur.
Le combat des deux était quand même chiant, les deux là, les deux frères. Hein, avec le bouclier ou la grosse épée, enfin je sais plus trop. Ah, quand on parle du loup, un homme tatoué qui voyage avec un enfant. Atreus suit leurs traces et vérifie que nous sommes seuls. Mais on les a vus partir. Fais ce que je te dis. Il ne sait pas ce que tu es. Non, et c'est très bien comme ça. Hmm. Qui es-tu ? Moi ? Le plus grand ambassadeur des dieux, des géants et de toutes les créatures des neuf royaumes. De ces terres, je sais chaque recoin et chaque langue, chaque guerre menée, chaque accord conclu. On m'appelle Mimir, l'homme le plus intelligent qui soit et qui peut répondre à la moindre de tes questions. Pourquoi le fils d'Odin nous pourchasse-t-il ? Bon, d'accord, j'ai peut-être quelques lacunes, mais Odin me garde prisonnier ici. Depuis 109 hivers. Je suis un type malin, je dois pouvoir recoller les morceaux, c'est promis. Donne-moi un peu de temps. Y a personne, je te l'avais dit. La mère du garçon est morte. Elle voulait... On disperse ses cendres depuis le plus haut sommet de tous les royaumes. Ah, dans ce cas, tu n'es pas au bon endroit, mon garçon. Le plus haut sommet de tous les royaumes n'est pas à Midgard, mais à Jotunheim, le royaume des géants. Non ! Ce n'est sûrement pas ce qu'elle voulait dire. Regardez. C'est le dernier pont connu vers Jotunheim dans les neuf royaumes. Vous voyez cette montagne qui ressemble à des doigts de géant touchant le ciel ? Il est là, le plus haut sommet de tous les royaumes. Pas ici. On peut pas prendre ce pont ? On a un Bifrost. Quand les géants ont détruit tous les ponts qui menaient à leur royaume, ils ont protégé celui-là à l'aide d'une rune secrète. Si elle existe encore, seul un géant la connaît. Et ils ont tous quitté Midgard il y a très longtemps. Exact. Mais aujourd'hui, les vents du destin ont rassemblé de bien étranges coïncidences. J'aime bien Midgard. Il se trouve que je suis le seul homme au monde à pouvoir vous mener là où vous avez envie d'aller. Et vous avez de la chance. J'ai beaucoup de temps libre en ce moment. Moi, je veux juste voir le passage quand il lui coupe la tête, en fait. Je trouve ça drôle. On va aller à Jotunheim, pas vrai ? C'est votre meilleure et seule option d'un point de vue stratégique. Le seul endroit où l'homme qui ne peut pas mourir n'ira pas vous chercher. Que doit-on faire ? Oui ! Vous devez commencer par me couper la tête. Quoi ? Odin s'est assuré qu'aucune arme, pas même le marteau de Thor, ne puisse libérer mon corps de ses liens. Heureusement, vous n'avez pas besoin de mon corps, mais il vous faudra trouver quelqu'un qui connaît la magie ancestrale pour ressusciter ma tête. La magie ancestrale ? La sorcière des bois, elle connaît les anciennes pratiques. Elle nous aidera, pourquoi pas, essayons. Mais si elle échoue, tu seras mort. Il me torture, tu sais. Tous les jours, mon frère. Odin s'en assure personnellement, et tu peux me croire. Son imagination n'a pas de limite. C'est comme ça. Et puis, toujours. Ah, ça n'est pas... Ce n'est pas une vie. Très bien. Oh, je veux pas voir ça. Frère. Ah, ça y est. C'est le moment. Si tu n'arrives pas à me ressusciter, il y a une chose que tu dois savoir. Le garçon... Plus tu tarderas à lui dire la vérité, plus il sera blessé. Il t'en voudra et tu pourrais le perdre à tout jamais. Il y a encore beaucoup de choses qu'il ne doit pas savoir. Mais... Ton intimité t'importe plus que ton fils ? Je vais te couper la tête maintenant. C'est de bonne guerre. C'est énorme. Je vais te couper la tête maintenant. Il est top, Mimir. Il est super top. Jotunheim. Ah. On va à Jotunheim. On va trouver l'ancien royaume perdu des géants. Oui. C'est... Inopportun. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. On est bon. Alors c'est le pont vers Jotunheim. Ça ressemble au drôle de porte qu'on a vu. Ouais. Je suppose que Mimir va nous aider.
Enfin, si on arrive à le ramener à la vie. Voilà, si on arrive à le ressusciter, oui. Tu saurais retourner à la maison de la sorcière? Oui. Les bois au feuillage écarlate, au sud du lac. Je sais exactement où aller. J'espère qu'elle saura ranimer Mimir. On a une porte. Je l'aimais bien. Avant que tu lui coupes la tête. Je l'aimais bien avant que tu lui coupes la tête. Je sais plus comment on récupère l'habilité de passer de porte en porte. Pour le moment, on peut faire que ça, mais on peut aller à. Comment ça s'appelle, à l'atelier. Je me rappelle plus trop quand on récupère. J'arrive pas à croire que Baldur soit venu chez nous. Baldur, le dieu Az, tu t'es battu avec lui et t'as gagné. Oui. Un des fils d'Odin, le frère de Thor. Et maintenant, ses neveux et lui nous pourchassent. Mais pourquoi? Si on ressuscite la tête, tu pourras lui demander. D'accord. Tu sais, c'est bête, mais j'espérais qu'on croiserait un géant dans cette montagne. Mais il faut croire qu'ils ont vraiment quitté Midgard. À part le serpent, c'est peut-être le dernier de son espèce. Toi aussi, t'es le dernier de ton espèce, non? C'est pour ça que t'aimes pas parler de... Mon espèce? Je veux dire, ta famille. Avant maman et moi, là où t'as grandi, t'avais bien une mère, un père. Ce n'est pas le moment de parler de ça. D'accord. Yotcha! Touche un point sensible. On est de retour! Ah, du poulet. Brock! 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 Quoi? C'est ma pause déjeuner! Comme si je m'amusais à te déranger quand t'es en train de te gratter les fesses, moi! Laisse-le tranquille, Atreus. Vous avez déjà gâché ma solitude. Autant vous joindre à moi, maintenant. Nous n'avons pas faim. Tant mieux. Je vous invitais pas à manger. On a revu ton frère. Félicitations. Et je suis sûr que vous l'avez encore laissé bousiller ma hache bien comme il faut. Hmm? Voyons l'étendue des dégâts. Ah, on va zapper ça. Je pensais qu'il y avait une plus grosse conversation, mais en fait, non. Des fois, Sindri est tellement pris par son travail qu'il en oublie de boire et de manger. Et quand il y pense, il est même pas capable de se débrouiller. À croire que je suis à la fois le cerveau et l'estomac de la famille. Il te manque. Quoi, ce bon à rien? N'importe quoi. Ce que je veux dire... Et tu permets? J'essaie de me concentrer, là. La pause est déjà terminée. Vendre ressources, vendre de l'expérience. C'est tellement bien qu'ils aient toujours pensé à ça. Plaisir. Maintenant du... C'est tellement bien. C'est pas un G, c'est un C, hein. C'est Code of War. Vous avez remarqué? La tunique. Je sais pas si c'est une erreur de traduction. Mais c'est bien un C, c'est pas un G. Atreus, comment va-t-on chez la sorcière? D'abord, il nous faut un bateau. Qu'est-ce qu'on fait? On va chez la sorcière. Je me souviens comment retourner chez la sorcière. Ou alors on se balade. Par là, derrière la grande statue de Thor. Ouais, non, on va chez la sorcière directement. C'est bon. Au flanc droit. C'est bien. Par là-bas. Tada. Je crois. Ouais, ouais, c'est là. Un glotte de la sorcière.
Tu as plus besoin d'ex. Non. Non, j'ai tout débloqué. Et en New Game Plus, ils ont fait en sorte que tu peux vendre ton expérience pour de l'argent. L'argent, c'est ce qui est très très chiant à récupérer dans le jeu, je pense. Enfin, en tout cas pour moi. Extrêmement relou. Le niveau de l'eau a baissé. Quand le serpent est sorti. Oui, je le savais. Elle est puissante, mais tu crois vraiment que la sorcière peut ramener une tête à la vie? Elle semble maîtriser son art, et nous n'avons rien à perdre. Si jamais elle n'y arrive pas, on pourra quand même garder la tête? Non, mais tu pourras la donner au poisson. D'accord. On donnera la tête au poisson. Oh. Oh non. Allez, tant qu'on y est. Je crois qu'on a un truc à faire avec le gamin maintenant, non? Atreus avec moi. Non, peut-être pas. Déjà en masse. Ah voilà, voilà. Oh. Il nous faut de la sève. Elle est où la sève? Je crois que ce sera plus tard la sève, je pense. Ah, elle est là. Tada. On va finir notre armure niveau 3, puis après on va devoir choisir un talisman à augmenter. Bah, il nous faut encore de la sève. Ah oui, c'est pour la Valkyrie. Il doit y en avoir encore un. Encore une de ces cartes. Parfait. Je me rappelle, à un moment il y avait des... La première fois qu'on avait joué, on avait des revenantes niveau 8 ou 9. Elles étaient horribles.
passé un moment à les combattre. Mais bon, c'était là où c'est qu'on avait découvert que le rocher. On dirait qu'il y a une autre vasque de sable là-haut. Comme celle où j'ai dessiné les runes, tu sais. Le rocher fait extrêmement mal en rage. Je vois quelque chose là-haut. Ah ouais, non, mais il faut la... Ouais, il faut ça. C'est bien ça. C'est une autre vasque de sable. Hey, go. Oui. Atreus, j'ai ma vue qui est bloquée. Ah, voilà. Allez. Wouhou. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? J'ai bloqué le jeu. Pourquoi il fait que marcher? Je crois que je viens de bloquer le jeu. On n'est pas censé le faire maintenant, c'est ça? Je peux pas sprinter. Je peux... Vraiment, je peux faire ça. Salut Shri. Bienvenue. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai cassé le jeu. Ah, ça y est, oh! Je crois que j'étais pas censé être à côté en fait. J'étais pas censé être sur la plateforme. Je crois que c'est plus tard. Mais vu que j'ai les lames du chaos, j'ai pu passer sur la plateforme. Je crois que c'est ça. Bon, par contre, il me manque toujours une pierre. Je sais plus où elle est. Je pourrais l'attendre si tu m'aides. Oui, voilà, ouais. Normalement, on aurait dû faire passer le gosse là. Mais bon. On n'a pas eu besoin. Tu as déjà fait où? C'est la toute première fois. Je l'ai déjà fait. On est en New Game Plus, donc... Déjà fait. Ça sera pour après. Il nous manque toujours une pierre. Nouvelle partie plus là, yes. Ah, t'es où? Atreus, aide-moi. Si quelqu'un se souvient... Ah, c'est chiant ces trucs, je me rappelle plus. Bon, on va pas rester 5 ans non plus dessus, mais... Ouais, non, je sais pas. Ah, il est là, putain. On va pouvoir
Merci pour le follow. Rixou, merci pour le follow et bienvenue chez nous. Allez, allons parler à Madame Valkyrie. Ah oui, non, il faut passer par l'extérieur. Ah. Passer par l'extérieur. Oh! La porte est ouverte. Est-ce qu'on peut... Bon. Non, ça marche pas. Non, quand on s'amène à l'extérieur. Quand on passera à L.A., on pourra le faire. C'est Madame Valkyrie. Faites demi-tour, Az. Les dieux sont pas les bienvenus, on dirait. Oh, le voilà. J'espère qu'il se souvient de nous. Alors... Ah, voilà. Eh ho, eh ho. Voilà, lis-moi ça. Comment ça va, Charlie? Est-ce que la sorcière est ici? Qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est ce qu'il m'a dit. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dans ma tête. Charlie. 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 Ah merde. Ok, tu m'as saoulé. Rocher dans ta face. Majestueux ce combat. Ah. Voilà. Lila. Combat parfait. Ouais, lis-moi ça. Mort au dieu corbeau, seigneur des pendus. Ça c'est de Hellframe. Hellframe. Lis-moi ça. Tu peux les lire. Bien. Saturni things sur tous ceux qui entrent. Notre vasque de sable. Qu'est-ce que ça dit? Ouais. Ça sera plus tard. Tourterelles nagent tous dans l'océan du ciel. Hein? Et là, on est bon. Je sais pas pourquoi j'ai récupéré la pierre. Je suis sûr que la réponse se trouve quelque part ici. Des ennemis devant. Ok.
Ok. J'ai loupé. Ça, on verra plus tard. Atreus, ici. Viens voir. Oh, les runes manquantes étaient cachées derrière la colline. C'est Vinder, le vent. Retournons à la vasque. On y va. On y va. Est-ce qu'on peut sauter? Non, on peut pas. Par là-bas. Ah. Tellement puissant, Kratos. Dessine là. D'accord. Regarde ce que ça fait. Allez. On va voir Freya. Père, elle est là. Je suis tellement contente de te revoir. Je savais que t'étais pas mort. Bonjour. Oh, tu pourrais ramener une tête à la vie? Je ne suis pas sûre de comprendre. Une minute. Où les as-tu eus? Oula. Les flèches. La folle. Donne-les-moi, maintenant. Mais on me les a offertes. Fais ce qu'elle te dit, mon garçon. Ces flèches sont très dangereuses. Maléfiques. Si tu en trouves d'autres, détruis-les sur le champ, c'est compris? Est-ce que tu as bien compris? Dis-le! Oui, j'ai compris. Si j'en vois d'autres, je les détruirai. C'est tout ce que je J'aime bien comme Kratos, il met son bras devant le gosse. Prends mes flèches à la place, je te les offre. Je n'en ai plus besoin désormais. Juste au cas où madame deviendrait un peu folle. Alors, c'est quoi cette histoire de tête? Est-ce que tu as la moindre idée de qui il est? C'est toi qui l'as tué? À sa demande. Il a dit que tu pouvais le ressusciter. Moi? Tu es sûr d'avoir bien compris? S'il te plaît. Mets-le sur la table. Hemley! Je n'ai pas pratiqué la magie ancestrale depuis une éternité. Maintiens-le. Voyons voir ça. Bon, on va passer ça. Heureusement, la décomposition n'est pas très... Je voulais juste voir la folle, en fait. Pourquoi t'as fait ça? On ne peut pas lui faire confiance. Parce que c'est une déesse? Aurais-tu oublié tout ce que je t'ai appris? Mais elle nous a beaucoup aidés. Elle a menti. Certaines personnes tiennent à leur intimité. Ne les juge pas trop vite, frère. Quand j'aurai besoin de ton avis, tête, je te le demanderai. Comme tu voudras. Emmène-moi au temple de Tyr dans le lac des Neufs et je vous guiderai vers Jotunheim comme promis. On connaît ce temple. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Rien moins que le dernier géant vivant de Midgard. Qui mieux que lui pourrait nous indiquer la route? Le serpent monde? Attends, tu sais comment lui parler? Mais oui! Il parle une langue obscure, encore plus vieille que ses montagnes. Plus personne ne la connaît à Midgard. À part moi, bien sûr. C'est vrai? Oui! Ça ne se voit pas au premier abord, mais Jormungand recultive l'art de la conversation. Ah, c'est pas là où on va être... On va aller dans le serpent, je crois.